Eh bien, salut la VOD, on se retrouve pour une nouvelle VOD bonus sur Assassin's Creed Black Flag. Et cela raconte qu'on peut le voir n'importe quoi, n'importe quoi. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour les navires légendaires. Oh, oh, je vais pas vous mentir que j'ai un truc à dire. J'ai peur. Comme vous pouvez le voir, nous allons nous préparer un tout petit peu, évidemment, avant d'aller les affronter. J'ai farmé hors live des choses, voilà, qui ne changent rien, vous avez rien loupé. Juste défoncer des bateaux en boucle. Donc j'ai pu obtenir un petit peu d'argent, et également un peu plus de ressources, éventuellement, en termes de métal. Ce qui nous importe le plus, ici. Donc on va pouvoir, par exemple, hein, c'est un exemple, mais améliorer la pièce de bordée, ça va être extrêmement important pour... Eh bien, les navires légendaires, hein, parce que sinon, on est mort. Voilà, tout simplement. Je pense que c'est clair. Je pense qu'il n'y a pas de doute. Là, est-ce qu'on s'amuserait pas à prendre un éperon de fou aussi? C'est une bonne question. Le mortier aussi, mais là, on est débordé. Il y a trop de choses à faire. Quelque part, on a envie de tout faire. Et en même temps, ça coûte si cher qu'on n'a pas... On a peur. Donc là, ce que je peux faire, c'est payer ça, parce que ça coûte que de l'argent. Voilà. L'argent, j'ai fait des calculs. Ça devrait être à peu près... à quelques peu près, mais ça devrait être à peu près suffisant pour tout acheter dans le jeu. Alors pas là, mais grâce en plus aux récompenses qu'il me reste encore à obtenir avec ce qu'il me reste, dont les navires légendaires évidemment. Donc qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais améliorer la pièce de chasse, oui, pourquoi pas. Ça fera toujours des petits dégâts en plus. Allez, allez, on prend vraiment. J'ai pas calculé si je pouvais tout prendre, comme vous pouvez le voir. Tout est très naturel, hein, donc ça fait plaisir. Normalement, je suis censé avoir à peu près assez de tout, non? Ah, non! Ah, j'ai pas assez de tout. Oh, la déception. Aïe, 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 aïe. Moi, je voulais... Je voulais ça, quoi. C'était pas mal. Et d'accord, très bien. Très très bien. Bon, bah on va y aller, hein. Est-ce qu'on va se faire défoncer ou pas? Oh, c'est quand même la question. Oh là 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 là. Là, en tout cas, on est bien amélioré. Ah ouais, les canons en or. C'était mon rêve, je l'avais dit. Les canons en or. Je suis content qu'ils soient pas noirs. Les canons d'élite. Waouh, ça rend bien. Pièces de chasse renforcées. Oh ouais. Ça, dans les cinématiques, quand je vais défoncer les navires, ça va faire vraiment très plaisir. Allez, c'est parti. Nous avons 4 navires légendaires à affronter. Ah, aux 4 coins de la map. Que va-t-il se passer? Vais-je les détruire, puisque je suis un professionnel? Ou vais-je me faire rouler dessus? C'est la question. Oh là 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 là. Alors, il y a des chasseurs. Effectivement, dans les contrats navals, ils nous les enlevaient. Au moment où on rentrait dans le combat, est-ce que ce sera la même ici? Du coup, dans le doute, j'ai envie de les défoncer d'abord, parce que si on doit affronter les navires légendaires, et qu'en même temps il y a ces mecs, je vous le dis tout de suite, hein, c'est perdu. Donc, je pense que voilà, calmons-les hein, avant qu'on y arrive. L'autre, il est très très loin. Peut-être que si j'arrive à le fuir suffisamment bien, il va m'abandonner. Je crois que c'est déjà arrivé ça. Je crois que j'avais déjà réussi à faire ça. J'ai tellement peur. Je sais pas du tout comment ils sont, les navires légendaires. J'en ai un souvenir horrible, mais... Oh mon dieu. Navire en vue ! Oh, c'est un monstre ! Oh là là. 20 000 reels, niveau 75. En vrai, c'est quoi ? C'est une sorte de manoir ou c'est plus gros qu'un manoir ? Ça a l'air plus gros quand même. Hein. Oh là 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 là. En tout cas, niveau 75, on a déjà affronté des bateaux niveau 60. En soi, c'est assez tranquille. Comment ça va se passer? Je me chie dessus. Ah! Qu'est-ce qu'il fait? À l'aide, hein. Il vient droit sur nous. Il veut... C'est un bateau qui est prone, j'imagine. Mortier! Il a pris 0 dégâts, hein, concrètement. Ah ouais, d'accord. Ah, je pensais pas qu'il m'aurait touché comme ça. Ah ouais. On attend le bordel, ok.
On peut s'en sortir, on peut s'en sortir s'il a pas de mortier, s'il fait qu'éproné, en soi c'est esquivable. Ah c'est ça, il va... Non, non, là il va faire ses pièces de bordée. Non, il est prône. J'ai esquivé. Non, j'ai pas esquivé du tout. Ok, on est obligé de se le prendre. On est obligé de se le prendre. En soi, on a à peu près la même vie. Le problème, c'est que là, j'arrive pas à m'incliner pour l'avoir. Aïe, 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 aïe. Et un petit coup de mortier, là, ça fait plaisir, ça, non? Ça fait zéro dégâts, mais bon. C'est toujours ça, hein. Ok, oh le pivot, c'est exceptionnel. Oh je savais pas que ça était à ce point là. Ok, on est avantagé, hein. Pour l'instant on gagne. On a plus de vie que lui. Et il veut jouer à ça mais ouais, c'est vraiment un navire qui est au corps à corps. Il a pas pris tant que ça. Voilà, on lui met un max de dégâts. On est potentiellement pas trop mal, mais... Oh. Ok, 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 moi j'ai confiance. Ok, j'ai pas assez prévu... Il s'éloigne bien en vrai ce filou. Hein. Ce qui fait qu'on a vraiment beaucoup de mal à le toucher. Hein. Oh, il m'a pas eu. Oh, il m'a pas eu. Oh là 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 là. C'est très très beau comme combat ça. Il tire devant, ok. J'ai réussi à skipper son truc. Très très propre. Il avance si vite que... Ok, c'est pas raté. Là, il s'éloigne énormément. Oui, il prévoit un coup de fou. Oh là là. Il est en mode énervé là, non? Je pense que c'est possible qu'il se soit mis en colère là. J'ai du mal à le toucher là. Mortier feu. Ça fait des petits dégâts, mais bon, c'est toujours bon à prendre. Hein. Ah, j'ai largement gagné à mon avis. Je pense que j'ai largement gagné. Il fuit? Non, il fuit pas. Il fuit pas, il fuit pas. Il ne fuit pas. C'est impossible. Feu. C'est pas mal. J'ai gagné? Oh, oui! Oh yes! Premier navire légendaire sur 4. C'est propre, hein? Oh là 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 là. Capturer un navire légendaire. Waouh! Ça, c'est beau, ça. Il a ajouté automatiquement à ma flotte, c'est ça? En fait, je pensais qu'on pouvait l'aborder. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'abordage. Aïe, aïe, aïe. C'est vraiment dommage, hein. Boum! Oh, il y aurait eu ça en plein combat, ça aurait été chaud. Oh oh oh! Très bien, est-ce qu'on peut se téléporter en tempête ou pas? C'est une question. Donc on va faire dans l'ordre de lecture à la française. Hein. Donc on commence par le en haut à gauche. On va faire en haut à droite, puis en bas à gauche et en bas à droite. Donc on va aller à celui-ci. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois on part d'un fort. Hein. Donc ça c'est plutôt cool. J'ai gagné 20 000. Combien vont me donner les autres? J'ai hâte de le savoir. Ce qui est sûr, c'est que d'abord, là, faut refaire... pour affronter des petits navires pour gagner de la vie. Voilà, des petits chouneurs à la con. C'est parfait. C'est en génial. Des petits bateaux que je vais one-shot. Je fais deux abordages et ça me redonne toute ma vie. Ouais, je pourrais même faire des canonnières, mais bon. Autant faire les chouneurs, ça donne des petites ressources. Et pour moi, ça change pas grand-chose. Hein. Je pense que je one-shot quand même. Hein. Là, ce qui est bien, c'est que les chasseurs vont passer à côté de mon port, donc ils vont se faire défoncer. Ah, ils tirent déjà. Le fort, il tient. C'est incroyable. Et les chasseurs, ils sont très peu résistants, donc le fort, vraiment... Ça les défend super vite. Et voilà. double abordage, comme ça, là. En une bordée. Oh là là là.
J'ai bientôt été en 3 étoiles de notoriété, c'est intéressant puisqu'il y a un défi évidemment Abstergo avec ça. D'ailleurs, sachez que j'ai accompli un défi Abstergo hors live malheureusement, qui était de parcourir 300 miles nautiques. Je m'abuse, hein, je crois que c'est ça quoi. Pas exactement. Donc ça, bon voilà, hein. Ça a été malheureusement fait dans mon farm, mais voilà, c'est tout, c'est tout. Donc je vous le dis, puis de toute façon c'est quelque chose d'assez naturel, c'est juste de se déplacer. C'est comme si un défi c'était marche un kilomètre. Voilà, vous avez rien loupé. Hein. Donc tout va bien. Hop, je répare le Jackdaw. J'espère que ça va bien se passer les autres navires légendaires. Lui, malheureusement, il faut l'avouer, je pense qu'il était simple quand même. Il avait le temps de mettre plusieurs rafales quand même, en quelque sorte. Bah ouais, alors que... Je sais pas trop. Je pense que j'ai un peu peur. En plus, en termes de mortier, je pense que voilà, j'ai assez de munitions, à mon avis. Qui fait pas trop de dégâts, donc on jouera pas à fond avec. Par contre, en termes de. De boules explosif, je suis un peu inquiété. J'aurais aimé en avoir plus. Pourquoi? Non, mais ça m'énerve ce jeu de mort. On passe tout le temps à travers, là, voilà, faites des kills, quoi. Voilà! Bon, on est à fond, mais on n'a pas de boulet, quoi. Je pense qu'il faudrait en acheter, en fait, pour le prochain navire légendaire. Je pense qu'il va falloir en acheter. C'est malheureux, mais ça risque d'être comme ça. Donc, je répare. Là, la notoriété, c'est chaud, hein. C'est bien, c'est qu'on va atteindre ce défi, je pense, dans cette VOD, puis ça tombe bien. Navire légendaire et faire le défi Abstergo qui consiste à détruire la plus grande patrouille de chasseurs de primes. C'est plutôt bien, hein. Voilà. Hop. C'est parti, mon kiki! Ils sont bien trop près, capitaine! C'est sûr, je suis d'accord. Beaucoup trop proche! Je stresse. Parce que là, en vrai, bon, voilà. Hein, mais le jour où on aura un navire ennemi qui va tirer des bordées, je pense que là, ça va être quelque chose. Hein. Ah, c'est sûr, hein, ça va être très problématique. Hein. Faut être honnête, hein. Ceux qui vont tirer des mortiers, par s'il y a un chemin esquivable très facilement comme les manoirs, mais... Si les bordés et tout là, je le sens pas. Hein. Oh mon dieu. Ah, c'est les fameux qui sont deux. C'est des forteresses flottantes. Super. Un plaisir, vraiment. Ok, là, il n'y a pas d'animation quand on se rapproche. Oh mon dieu, voile blanche, voile noire. 10 000 et 10 000. Encore des niveaux 75. Oh bordel. Là je vais perdre. Hein. Je vais perdre, c'est sûr. Mais c'est impossible. Un seul, déjà, il m'a roulé dessus. Comment on va faire là? À moins qu'ils aient moins de vie, mais ils sont niveau 75 aussi, alors. Ils ont l'air. Ah, on dirait qu'ils ont peut-être moins de vie. Ah, ils ont beaucoup moins de vie! Intéressant. On est presque pareil. Très 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 intéressant. Concrètement, il y en a un qui me tire dessus. Il fait pas beaucoup de dégâts, je trouve. Ok. Il y a une bonne bordée quand même. J'ai l'impression. Je pense que si tu te la prends de proche et tout, tu te fais assez rouler dessus. Et qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas trop ce qu'ils font, ils ont l'air un peu nuls. Je sais pas si c'est normal. Là, il va faire sa bordée. Ouais, il fait pas si mal, je pense. Pour un navire légendaire, je m'attendais à plus. Oh, je crois que ça a créé un point faible, à mon avis. Qu'est-ce qu'ils font? Attendez, ils vont me sortir une attaque spéciale, là. Est-ce qu'il va loin, le mortier? Il va jamais aussi loin. Bah, ouais. Je vais essayer de le rapprocher comme ça, quand on sera en vrai combat. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que c'est une erreur de m'approcher d'eux? Mais qu'est-ce qu'ils font? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de défoncer le blanc. Le blanc, j'ai enlevé beaucoup de vie. En soi, j'ai pas utilisé de boule explosive dans ce combat. Hein. J'ai l'impression que j'en aurais malheureusement peut-être pas besoin. Donc au moins, c'est réglé. Hein. J'ai pas à m'inquiéter pour ça, du coup.
Je sais pas ce qu'ils foutent, mais... Mon dieu, je suis dans la sauce, là. Qu'est-ce qu'ils tentent de faire, là? Oh mon dieu, ils tirent lui aussi, maintenant! Là, c'est quelque chose, là, quand même. Oh là là. Et ils vont me faire ça combien de fois, là? Mais ils vont faire ça en boucle, là? Mais je suis mort, là! Ah, ils font plus. Si, ils tirent, maintenant! Mais il est malade! Ah, ça y est, là, le combat, il a la difficulté qu'on aurait pu en attendre. Là, on est plus déçu là. Enfin, j'étais pas déçu en vrai, hein. Moi, j'étais très content, c'était très bien. Je m'en fous, je me coupe pas. Oh, l'erreur. En fait, il faut vraiment... dans les vrais les navires normaux, on peut se dire, oh, je m'en fous, je me couvre pas. Mais contre eux, on peut pas. Attends, mais ils font des boucles infinies, là. Oh, il est mort! L'autre, il est enflammé. Bon, ça se fait, il a pas beaucoup pris de dégâts, en plus. Vous voulez de peu. Attendez, parce que là... Là, c'est malade, là, en fait. Quoi? Oh, il m'a one-shot! Je sais pas quoi dire, en fait. Attendez, mais c'est fou. Là, c'est vraiment fou. Est-ce que l'autre reste détruit? Il est pas détruit du tout. Est-ce qu'on doit se reprendre l'animation? Non, quand même pas. Je pense que si. C'est histoire qu'on soit bien sûr, quoi. Si on a envie d'arrêter, en fait, ce combat, on peut repartir. Ils ont fait ça pour ça. Oh, du coup... mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Ce mec s'est mis à méprôner, à tirer des boules... des météorites, en fait. Il a tiré des météorites. On notera que les développeurs ont mis exprès de mettre un vent en vitesse maximale, c'est-à-dire vent triple, dans notre sens, pour lancer le combat, histoire que si c'est ce que tu veux faire, aller les affronter, bah... te mettre parfaitement le truc. T'enfonces bien dedans. Le pivot, c'est incroyable, hein, contre tous ces navires-là. Évidemment, ça n'a pas marché. Ok, je m'en doutais. C'est pour ça que je l'avais pas fait tout à l'heure. Très déçu. J'aurais pu en profiter pour mettre une bordée de plus. Ouais, il faut freiner. Il faut freiner pour qu'ils arrêtent de me toucher. Ah, lui, je suis très content. Oh là 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 là. Pas mal. Là, ils veulent tenter leur histoire encore. Oh, 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 oh. Par contre, j'ai moins de chance dans ce combat. Tout à l'heure, il tirait pas. Il se met à tirer là. Il tirait pas tout à l'heure, c'est des tricheurs. Non, mais c'est impossible, si. Ah non, si, en vrai, je suis en train de gagner, là. On compare leur vie par rapport à la mienne. Bon sang, pour rectifier le tir. Ouais, je le touche pas, là, si. Ok, je l'ai touché. Je pense qu'il faut pas passer entre les deux quand ils font leur tactique ancestrale, là. Donc, ce qu'il faut que je fasse, ouais, c'est que je m'éloigne, hein, littéralement. Après, je pense qu'ils changent quand même leur setup, non? Ok, on dirait qu'ils ont annulé ce qu'ils voulaient faire, ils changent. On dirait qu'ils changent. Je pense qu'on a commencé par le bateau le plus dur, peut-être, non? Bah non, 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 c'est évident, c'est pas le plus dur. Mais il avait beaucoup de vie, en fait, je trouve. En fait, comme il était pas trop dur, il attaquait pas très souvent, en vrai. On avait le temps de mettre 2-3 bordées. Du coup, il avait beaucoup de vie. Là, ils galèrent avec leur setup, regardez, ils vont vouloir le lancer à l'infini. Il m'a, là? Non, ok. Le fait qu'il tente, ça m'énerve un peu, je vais pas vous mentir. Je trouve que c'est quand même du manque de respect, quoi. Qu'est-ce qu'ils foutent? Mais bordel! Mais venez vers moi en fait! Oh mon dieu, là il m'a. Mais là faut arrêter cette situation tout de suite. Canon paré, capitaine. Voilà, merci d'arrêter ça tout de suite. Okay, ils ont raté leur tactique, on dirait. Ah, il essaie de me. Oh! Il faut que je déglingue. Là j'aurais dû en profiter plus tôt en fait. Ok, ça est prone. Pas du tout. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. On est paré, capitaine. Ils m'ont l'air de faire des choses bizarres. Qu'est-ce qu'ils font?
Donc ils sont surpris de mon mouvement là, non? Ok, bon, ils arrivent à bien tirer, mais non, ils tirent très mal. Je pense qu'ils sont quand même un peu surpris, non? Que j'ai changé de direction au dernier moment. Ah, il m'énerve de partir loin, ça sert à quoi là? C'est pour faire peur, c'est sûr. Ils veulent gagner par la peur. Ils veulent me terroriser, mais ça ne marchera pas. Ça ne peut pas marcher en fait. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. Ah, en fait, attendez, j'ai une tactique. Ok, en fait, si je veux lutter face à leur tactique, il faut que je mette sens au vent. Là, le vent va vers la droite. Donc, si je veux avoir plus de vitesse, et donc, je pense pouvoir les esquiver, il faut que j'aille dans le sens du vent, absolument. Là, il vient vers moi. Non, il vient plus. Non, mais j'en ai marre. Ok, si, c'est bon, si. Ah ouais, si. Regardez-le bien. Ils me font leur tactique, là. En fait, le truc, c'est qu'eux aussi, ils sont au sens du vent. En fait, tant qu'ils arrivent pas à poser leur setup, je crois qu'ils le lancent pas. Si je suis vraiment un génie de contre-setup, je crois que ça contre vraiment. Et ils veulent pas, du coup. Est-ce qu'ils arrivent quand même à un moment donné? Si Ubisoft font bien les choses, ils viennent quand même, ils abandonnent. Là, on dirait qu'ils auraient envie d'abandonner, mais non, ils vont tourner en boucle à l'infini. Non, mais ils tournent en boucle à l'infini, c'est bon, ça me fait chier, quoi. Faut le dire, ça me fait vraiment chier, là. Faut que je vienne vers eux, en fait. Je pense qu'ils attendent un peu que tu te rapproches d'eux, peut-être. Attendez, on va voir. Si je me rapproche comme ça, ils vont prendre confiance. Le problème, c'est que je me suis mis dans une position où le vent n'est pas à mon avantage du tout, là, en fait. En fait, j'ai trop avancé géographiquement, et du coup, c'est plus à mon avantage par rapport à eux. Mon dieu, ça fait bizarre, tourner en combat, j'ai plus l'habitude de me battre. Oh, je vais me faire défoncer, là. C'est des malades. Non mais c'est bon, allez, il faut se battre, venez là. Ah, ils me font trop chier. Battez-vous, bande de lâches. C'est ça les navires légendaires, c'est de la merde comme ça là. Battez-vous. Canon paré, capitaine. Mon dieu, il m'attaque. Ça dégage. C'est bon, il m'a saoulé lui. Voilà, les météorites, le retour. Ok, en fait, dès que l'autre meurt, lui il veut charger. Oh, les dégâts! Mais c'est un dégénéré! Oh, je le déglingue. Mais là, il me met une bordée, je pense que je suis mort, non? Ou un truc comme ça. S'il m'aborde, c'est terminé. Oh mon dieu. Oh! J'ai gagné? J'ai peut-être gagné. J'ai gagné! Wouh! Ah, ça méritait. Oh, waouh! Oh, les bruits! C'est totalement bugué. Oh, je méritais de gagner. Ils m'ont saoulé. Regardez, de fuir comme ça. C'est quoi? C'est fragile, là. Et là, il y a des bateaux qu'on se prend. On dirait que c'est fait exprès pour regagner de la vie. C'est terrible. Je vais le faire. Je vais clairement le faire. J'ai profité qu'il n'y ait pas de chasseur de primes. En plus, je vais être niveau 3, donc ça va être. Ça va être quelque chose, cette histoire. Ah, bah ça les a fait spawn en plus. Bon, bah. Je vais être niveau 3. Hop, les océans m'appartiennent, hein. C'est bon, hein. Tous les angles de la map, c'est à moi. Hein. Ou comme le reste, hein. Hop, ouais, niveau 3. Ok. Première fois qu'on est niveau 3. C'est tellement impressionnant qu'il m'indique même pas que je suis niveau 3. Donc les autres niveaux, il l'indique quand même. En fait, faut que je tombe face à une patrouille niveau 3. Là, ça, c'est une patrouille niveau 2, non? À moins qu'il le compte quand même dedans, mais...
Ok, je vais essayer d'aborder ça. Ah, attends, il y a plus que niveau 3, mais ça peut jusqu'au niveau combien là? Ils sont malades. Bon, on essaye. Ça tire pas du tout là où je veux. Non, mais c'est fou. Je vais m'énerver, je pense. J'en ai marre de ce pivot. Il est nul. Il est bien que contre les navires légendaires, en fait. Quand il fait des dégâts surprenants, je trouve. Je suis en surpris des dégâts qu'il fait, le pivot. Ça m'impressionne. Je sais pas comment ça se fait que ça passe si mal contre les légendaires. Je sais pas du tout. Bon, on affronte là, vite fait. En fait, en gros, ouais, je pense que ça va jusqu'à 4 de notoriété, en fait. La 4ème notoriété, c'est... ça donne un chasseur de primes Manowar, je pense. Là, niveau 3, il y a une frégate qui peut sortir, c'est sûr. Et niveau 4, Manowar. C'est bien, il est venu vers moi à peu près. J'aurais dû le tuer un peu plus après, je pense. Cadeau. Donc, qu'est-ce qu'ils vont penser de tout ça, là, du coup? Est-ce que ça va me compter dans le défi ou pas? Zéro dégâts, un plaisir. Encore! Bim! Ça, j'aime. En vrai, là, je tire au pistolet et c'est fini, mais bon. On va y aller physiquement. Hein. Quoi? Il a réussi? C'est la première fois qu'on arrive à me taper dans les airs comme ça. Bizarre, hein? Bon, je crois qu'il y avait une tactique de farm avec les navires légendaires en double. Je crois que si tu en tues un et que tu récupères son loot et que tu fais exprès de mourir, tu peux faire ça à l'infini, du coup tu gagnes du 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Je crois qu'il y a cette tactique dans le jeu. Mais bon, là, du coup, hein, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Je vais tirer sur l'autre pour le faire couler. Comme ça, ça servira juste à me faire monter la notoriété si jamais j'ai besoin. Et là, on se téléporte, hein. Ce qui est bien, c'est que dès que je vais me téléporter, ils vont me faire spawner la troupe niveau 3. Allez hop, ça dégage! Non, ça peut pas augmenter? J'ai pas l'impression. En tout cas, l'autre veut me détruire. Non, mais c'est bon, c'est bon! Navire de guerre, mais bien sûr, mais pas du tout! C'est pas un navire de guerre, ça! En fait, j'ai gagné des boulets explosifs. Ça, c'est génial. Je pense que j'aurais jamais besoin de me racheter des boulets, en fait. Hein. Va se faire naturellement. Allez, ça dégage. Prends pour qui, mon petit gars? Allez, c'est parti. Tout en bas à gauche. Et c'est encore un fort qui nous permet d'y accéder. Hein. Ah, c'est comme ça à chaque fois, je pense. C'est fait exprès, j'aime bien. J'aime beaucoup. Donc là, normalement, on va avoir la patrouille niveau 3. Non, pas encore, il spawn un peu après, je crois. C'est pas mal le métal là, ça me donne envie de l'affronter. C'est rare d'avoir du métal, honnêtement, je vous le dis. Je sais pas pourquoi j'ai pas de chance, j'en ai jamais. Oh, rhum sucre, oh, ça me donne envie. Mais c'est pas une patrouille niveau 3, c'est quoi cette chiasse? Ils sont que deux. Brick, c'est nul. Qu'est-ce que c'est que ça? Par contre, ouais, ok. Enfin, j'ai hâte. Navire légendaire. Est-ce que je dois toujours m'inquiéter ou pas, en vrai? Je pense que j'ai plus à m'inquiéter. J'ai affronté un double navire. Quoique, bah non, il faisait zéro dégâts, en fait. Ah non, bah non. Je pense qu'il faut que je m'inquiète pour la suite. Faut que je m'inquiète, à mon avis. Regardez un peu sa taille. Bah, il a l'air moins gros que les autres, hein. La Dame à Negra. 20 000 reals. C'est mortier ce mec, ouais, ah ouais, je l'ai bien vu. Je l'ai bien vu. Donc on va jouer un peu mortier aussi, hein, c'est cadeau. Mais non, c'est-à-dire que c'est le... Oh mon dieu. C'est moi ou c'est le navire le plus...
les plus résistants là, vu ce qu'ils ont dit. Ok, ah d'accord. En fait, faut venir au corps à corps, quoi. Je pense. Ok, j'essaie de venir au corps à corps. J'essaie tout de suite. Ah, mais c'est qu'il tire aléatoirement. Ah, il est pas du tout comme les autres. Oh, oh là là, je me suis fait défoncer. Ah, c'est pas mal amélioré à fond, en fait. Les trucs de l'avant, là. Ok. Non, mais il prend zéro dégâts. Ok, la poupe. Oh, la poupe, c'est pas mal. Enfin, je crois que ça s'appelle comme ça, non? Je sais pas, j'en sais rien. Il veut... Oh, mon Dieu, il a ça aussi. Et là, il veut me méprôner. Je vais me faire découper. Ah non. Ok, zéro dégâts. Je me suis un peu soulevé moi-même, mais c'est pas grave. Là, il veut tirer alors que j'y suis plus. Alors, le navire légendaire, il comprend rien, là? Je pense que son point faible, c'est vraiment l'arrière. Hein. On dirait que les bateaux sont plus sensibles à l'arrière. Ok. Ça a l'air très facile, en fait, ce bateau. Le mortier, il tire... Ok, d'accord. Il tire de façon assez claire, j'ai l'impression. Là, on a plutôt vie équitable. On va dire. C'est plutôt équitable. Je suis un peu passé entre, ça va. Oh, mais c'est horrible. Vas-y. Ah, t'arrêtes d'avancer tout de suite, mon petit gars. J'ai marre. Ah, j'ai l'éponnage à fond maintenant en plus. Attendez, ça va faire quoi comme dégâts? C'est un peu nul, non? J'ai pris des dégâts, mais pour bombarder. Hein. Il fallait bombarder. Hein. Ah, qui veuille m'éprôner, à la limite, c'est pas grave du tout, parce qu'il fait, il fait pas beaucoup de dégâts, quoi. Et il fait zéro dégâts. Hop, on drift. On drift. Ouais, vraiment, l'arrière, c'est son point faible, mais c'est impressionnant. Ok, c'est parti. Le vent est un petit peu moins... Oh, la vitesse! Il est sérieux? J'essaie de passer entre, mais il resserre les tirs après. Bon, c'est pas qu'il resserre, mais c'est vraiment qu'il me défonce juste. Hein. Il est juste fort, en fait. Mais là, il s'arrête. Donc là, comme il avance pas dans cette... Ah si, il avance maintenant. Moi, je m'approche, en fait. Je suis pas dans le sens du vent, c'est négatif pour moi. Là, je suis dans le sens du vent et on voit tout de suite la différence, je pense. Ah, il y a un autre navire. Non, mais on va pas ça. Oh non, si. Si j'ai un autre navire en même temps, j'ai perdu. Hein. C'est un manoir. Oh, c'est bien ça. Oh, oh super. Je vois rien. À l'aide. Faites des efforts, faites-moi voir. Ok, il y a l'autre. Il y a l'autre en plein combat légendaire. C'est des malades. Hein. J'ai le mortier de l'autre, du coup. C'est fou. Concrètement, je sais pas trop quoi dire, là. C'est des malades. Hein. Non, mais il met double mortier, en plus. Non, mais c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Ok, on avance, on avance. Il va en sens inverse, je crois, donc c'est bien. Vraiment, les 4 canons à l'avant, en fait, c'est génial. Hein. Ça tire tellement de boulets, en fait. Ça en tire pas juste 2 fois plus. C'est abusé. Là, il est dans le pire sens pour moi. Je suis complètement contre le vent. Je vais pas perdre là-dessus, quand même. Non, mais vous inquiétez pas, je vais pas perdre là-dessus, quand même. Mon équipage, il a pas confiance ou quoi, là? Mon équipage a pas confiance, c'est sûr. Regardez ça, regardez ça. C'est nul un peu, mais... Oh, c'est bon. Oh, wouhou! Ça dégage! First try, bien sûr. Bien trop fort, en fait. Le loot. Le loot! Oh non, moi, je l'avais prévu de... Le loot! Moi, j'avais calculé un peu les loots des navires légendaires dans mon équation, là. Si je perds 20 000, non, mais je vais faire quoi? Non, Ubisoft, Ubisoft. Ubisoft, j'aimerais détruire votre sale gueule. Mais qui êtes-vous, Ubisoft? Je vous déteste. On va mettre, je veux de la vitesse.
Mais je vous déteste. Ah, les enculés. Ah, elle est réapparue. Ah, yes. Je vous déteste. Bien joué à vous, Ubisoft. Bravo. C'est bien, hein. Bon, allez. Boule explosif, c'est plus poil ce que je veux. Donc, effectivement, ça, c'est une patrouille de niveau 3, je pense. Il y a une frégate. Ça, ça correspond. Oh, en plus, le niveau... Oh là là, il commence à être fort, là. C'est quoi ces chasseurs de primes de fous, là? Des chasseurs de primes de riches, là? Non, mais par contre, j'avais pas de vie. Arrêtez de m'affronter quand j'avais pas de vie. À la fois, je suis un peu immortel après avoir affronté un navire légendaire. Je pense que personne peut me détruire. Faut le dire. Voilà. Je pense que plus personne ne peut me tester. Mais non, mais tu peux pas me faire de dégâts, je suis en abordage, petit con. Pourquoi ça... Mais pourquoi ça a fonctionné? Le tricheur. Le tricheur. Très bien, 3 kills. Pas terrible, mais ok. C'est parti. Non, je voulais pas aller là, en fait. C'est pas grave, j'ai jamais demandé ça à mon personnage, mais on va... Ouais, ok. Je vais faire semblant d'être heureux pour que la VOD soit bien. J'ai vraiment jamais demandé ça, quoi. Et il fait sombre, hein. Il a jamais fait aussi sombre dans un abordage, je crois. Je suis content que la caisse qu'elle ait réapparu. Le fait que le jeu détecte qu'il y a un problème, quand même, c'est... Ça doit prendre des performances, hein, mais... Merci, vraiment merci. Perdre 20 000, ça aurait été... Non, ça aurait été énervant. Soit le jeu détecte et ça fait respawn, soit dans tous les cas, au bout, si tu le récupères pas au bout d'une minute, ou j'en sais rien, ça le fait respawn. Parce qu'ils disent, bon, quand même, là, c'est un loot de navire légendaire. Au bout d'une minute, on s'en fout, on respawn. C'est fort possible. Hein. J'y crois très fort. Hop, ça drift. Voilà. Pas mal, le drift, hein. C'est un peu mon truc préféré, quoi. Dans la vraie vie aussi, en plus. Le drift, c'est toute ma vie, mais peu importe quand, quoi. Peu importe avec quoi. C'est parti! Voilà, on régène. Là, je serai à fond. Et après, bah, on va faire le dernier navire légendaire. Allô, je peux pas l'aborder. Pourquoi? Je comprends pas. Et lui, il va peut-être m'attaquer, là, à force. J'aimerais aborder, en fait, mais... Oh, je vais m'énerver, hein. Je crois que je vais pas tarder, hein. Je peux pas. Bah, heurtons-les. Voilà. Ah bah d'accord, à ce point-là. Ok, bah je vais me téléporter au suivant, hein. Puis sur le chemin, on fera quelque chose. Ah, c'est pas mal en fait, c'est pas un fort cette fois-ci. Ça fait varier les plaisirs un petit peu. Super. Super, super. Bon. Pas de navire. Alors là, par contre, en fait, on va avoir un problème. S'il n'y a pas de navire, si on est trop en bord de map. Je peux pas y aller, quoi. Il faut que je régénère d'abord. Super, merci aux chasseurs. Vraiment, je vous aime. Merci. Heureusement que j'ai une prime. Du métal. Ouais, faut aller chercher le métal. Très important. Eh, mais boulet de feu maximum, hein. C'est bien ça. Ah, je m'en doutais. Oh là. Oh là là. Quel est ce monstre? Il fait peur celui-là. HMS Prince. Enfin, normalement, je suis pas compté en combat. Ah si. Bah, en fait, non, je suis pas d'accord. J'ai pas de vie. Non, non, mais c'est super, mais j'ai pas de vie.
Je crois que c'est le Hollandais volant, non, c'est pas possible. Mais là, je suis vraiment 100% en combat, c'est mort? Non, bah écoutez, attendez, je vais me téléporter là, en fait. Ah, je peux pas. Je suis obligé de me faire exprès de mourir, quoi, en gros. Ou d'essayer de me battre. Ah non, parfait. Ok, très bien. Bah ouais, j'ai jamais voulu, moi. Ils sont malades, hein. C'est vraiment des malades, hein. En fait, ouais, ça m'a lancé l'animation alors que je la voulais pas, quoi. C'est bizarre. C'est très 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 bizarre. Là j'ai perdu, ouais heureusement, merci. Ça se fait naturellement, j'aurais pensé qu'il y aurait une transition. Mais pas du tout, ça se fait naturellement. Et il y a des humains ennemis. Attendez, je vais les détruire. Ils sont où? Ça marche pas, hein. Je peux pas les tuer. Ça aurait été rigolo. Pitié que c'est la frégate. C'est le brick. Ah, mais il a beaucoup de métal! Oh, la chance. Et lui? Enfin, en fait, les deux sont là. Mais il a plus de métal, je vais aller chercher. On a besoin pour les dernières améliorations, là. Allez, ouais, ouais, ouais. Venez là, venez là. Ouais. Ah, super. Ça n'a pas marché. Un plaisir. Pas besoin de graisser la patte là. J'ai juste besoin de les défoncer, moi. Putain! Le fait de tirer en arrière, ça fait plus de dégâts à tout le monde? Non. Je crois pas. C'est vraiment mon navire légendaire en fait. Tirer à l'arrière, c'est la folie. À moins que c'était juste celui sur lequel j'étais, mais. Je sais pas. Bon, allez, je vais aborder les deux. Le petit plaisir final. Avant de faire le dernier et d'arrêter bah, directement la VOD. Hein. Concrètement. Ouais. Ah, l'abordage! Boum! Voilà. Voilà. Super, ça marche pas, comme d'habitude. Un plaisir. Dommage, j'aurais pu être une double. Pourquoi ça l'a pas tué? Il y a des choses que je comprends pas dans la vie. Ouais, des choses très bizarres. Excellent. Que faut-il faire du navire? Je veux évidemment réparer mon magnifique bateau. Évidemment. Par contre, on s'est spoilé le navire légendaire. T'as quelle histoire. Ça avait l'air extrêmement stylé. Mais c'est peut-être le plus dur parce que si on ne le voit pas, comment dire, ça va être dur quoi. J'avais l'impression que des fois on ne le voyait pas du tout. Ouais, c'est possible que ce soit le plus dur. Ouais. Mmh. J'ai pas de temps à perdre avec vous, moi je suis un affronteur de navires légendaires, moi. Un peu le pirate de tous les océans. Voilà, tout le monde me respecte ici. Alors pourquoi vous venez me chasser dans mon territoire, là, je comprends pas. Bon, celui-ci est pas exactement encore le mien, mais... D'ici quelques minutes, là, vous inquiétez pas, hein. Vous allez voir. Vous allez voir. Super.
On y va. C'est parti. Moment crucial de l'histoire de l'humanité. Couler une patrouille de chasseurs de niveau 3. Oh, super. Ça y est, j'ai fait ce défi. Bon, bah, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Donc on va pouvoir enlever notre notoriété maintenant. C'est la seule raison qui faisait que je la gardais, c'était ça. Je commence à en avoir un peu beaucoup. Après, pour le LOL, on peut s'amuser à l'emmener au maximum pour voir. Hein. Mais bon, pas sûr que ce soit méga intéressant. On loot pour une frégate. Enfin, ça donne envie d'aller chasser. Ça donne envie d'aller farmer. Ouais, je vous dis ça comme ça. Ah oui, le mec est tellement dans la brume que okay, c'est le seul bateau. Faut vraiment s'en approcher pour le voir. Dans la brume. On dirait un navire. Oh. On dirait un vaisseau fantôme. Ah ouais, ça. Oui, revenu d'entre les morts pour nous couler. C'est le Hollandais volant, c'est sûr. Oh là là, l'ambiance. C'est forcément une référence. Et elle m'inquiète beaucoup. En fait, ok, il y a des moments où il y a de la brume, il y a des moments où il n'y en a pas, je pense. En gros, faut essayer d'optimiser quand on le voit. Pour lui rouler dessus. Ah, il a du mortier lui aussi. Mais je crois pas que c'est que ça pas. Je crois pas que ce soit sa capacité première. Ah, il a pas beaucoup de vie. Ah d'accord. Ah ouais, ça fait mal. J'allais dire il fait pas trop mal non plus, mais là, ça j'ai pas aimé. Ok, il y a pas besoin de se protéger. Là, je pense que si je bombarde comme ça, je vais gagner. Quoi que non. Il tire. C'est quoi ce tir de fou là? Tire. Il veut pas. Je gagne hein, pour l'instant. Le méga point faible. Là, il fait sa capacité spéciale de la brume, on dirait. Je le vois toujours pour l'instant. Me prendre les mortiers, je m'en fous un peu, non? En vrai, on dirait que c'est sa marme. Ça fait peut-être très mal, mais. C'est quoi ce bateau nul? C'est le meilleur, c'est le plus nul! Hop, dernier rafale, il est mort. Hein. Voilà, terminé. Coulé. Bah alors, le Hollandais volant, là? C'est donc ça, les navires légendaires? Voilà, vraiment. Je comprends pas. Nul, hein. Nul, nul, nul. Tant mieux, ça m'arrange. Bravo, Ubisoft. J'adore. Charge. La charge permet d'accélérer temporairement le jackdaw afin d'augmenter la puissance de l'éprenage. Attendez, vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de me dire, là? Vous vous rendez compte? Je comprends mieux, maintenant, pourquoi j'ai jamais réussi à briser des navires en deux dans ce jeu, alors qu'on le peut. Je crois. Non, peut-être pas. Je sais plus, mais... On me donne le tuto de la charge, la possibilité de le faire seulement maintenant. Mais c'est malade. Mais non, ça marche pas. Ça n'existe pas, cette feature, non, faut le savoir. Vraiment, on fait face à une feature, ce qui n'existe pas. Ils sont malades. Ok. Ça m'a régénéré. Ah ouais. D'accord, pourquoi pas. Vas-y, prenez-vous la bague, vous, pour voir, là. Waouh, non mais là, je suis trop content. On a détruit les navires légendaires. Donc, je vais aller à mon fort préféré qui est ici. Pourquoi est-ce mon préféré? Le nom me fait rire. C'est comme, on dirait qu'il est pourri, déjà. Et c'est parce que c'est l'endroit voilà, où, en termes de navires, c'est la guerre. Là, on a du manoir à tir à l'arigot. Donc c'est là qu'on va vérifier notre ADN, on va voir où on en est, on va voir si on peut améliorer le bateau vite fait. Non, j'ai pas envie de disparaître, désolé. En tout cas, suivi de progression, voilà, on est à combien? On est à 97% du jeu, évidemment. Navire légendaire, on en a 100%. El Impoluto, 1 sur 1. La Dama Negra, 1 sur 1. HMS Prince, 1 sur 1. Et le Brothers in Arms, 1 sur 1. On a tout fait. Je suis trop content, regardez, 100%, 100%, 100% et 83%. La seule chose qui nous reste ici, c'est les cartes au trésor. Il en reste 12. On en a déjà eu 10, hein, naturellement. C'est incroyable, 10. La moitié, quasiment. Donc ça, évidemment, sera dans la VOD 100% finale. Le 100% du jeu. Après, il nous restera un DLC, puis c'est tout. Hein. Amélioration du Jackdaw, je crois que j'ai pas ce qu'il faut. Il me manque vraiment... il me manque 18 de métal, en fait. 18. C'est un peu les boules. Et là, il manque des plans et tout ça, mais ouais. C'est totalement normal. Ça coûte pas très cher. On voit qu'on est tranquille, donc on va se régaler. Bon, bah voilà. Hein. Tout simplement. Tout simplement, tout simplement. À la VOD, je vous souhaite un très très gros bisou.
J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bah écoutez, je vous dis aux prochaines VOD ou aux prochains Assassin's Creed si les VOD bonus suivants ne vous intéressent pas. Et sinon, à une prochaine aventure. I love you. J'ai roulé sur le navire lunaire. C'est moi le pirate de la muchachos muertatos. J'ai tout first try sauf le double. Bon, voilà. Bon, d'accord, voilà. J'aurais pu tout first try. Je suis une machine. Une machine. I love you. Et je crois que dans les légendaires comme ça, il y en aura aussi dans Rogue. J'ai hâte de voir comment ils ont fait, si c'est différent et tout ça. C'est mieux fait aussi. De... Je sais pas, j'ai trop hâte, Ok, je crois que mon fort tire bien comme il faut là. Et je crois que ça y est. Ah non, d'ailleurs je croyais que tout le monde est mort, mais non. Bah donc. Ça chicote.